Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez très très bien. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je n'ai pas posté ces 2 dernières semaines. J'avais prévenu sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, eh bien écoutez, allez me suivre là puisque c'est là que je vous dis si je poste ou pas et puis que je vous donne un peu des nouvelles en règle générale. La raison pour laquelle je n'ai pas posté, c'est parce que j'ai eu 2 semaines très très intenses, très stressantes. Et généralement, quand c'est comme ça, eh bien c'est YouTube qui saute. Puisque quand je me suis lancée, enfin en tout cas quand je me suis relancée, je me suis fait le serment d'essayer de le prendre chill et de pas trop me prendre la tête, même si c'est compliqué pour moi. Donc voilà, ça a sauté et je regrette pas parce que ça a été vraiment très très intense. Que s'est-il passé pour moi donc ces 2 dernières semaines? Eh bien beaucoup de choses. Mes cours de conduite se sont accélérés puisque j'avais mon examen mercredi dernier que j'ai réussi. C'est une de mes plus grandes fiertés. Si je suis honnête, je vais avoir 30 ans en novembre et j'ai enfin sauter le cap de prendre des cours de conduite, de m'y tenir, de donner tout ce que j'avais et de réussir. Donc je suis extrêmement fière parce que c'était pas évident pour moi du tout. La conduite, j'ai toujours tout fait pour l'éviter parce que ça me stressait beaucoup. J'avais vraiment pas envie de m'imposer ça. Et puis la vie fait que au bout d'un moment, bah tu en as besoin, donc t'as pas le choix. Voilà, tu dois y aller. Et ouais, franchement, c'est ah, des sentiments les plus incroyables que j'ai jamais ressentis. J'étais vraiment extrêmement fière de moi. Donc j'ai réussi ça. Et puis également, on a acheté notre appartement actuel. Voilà, donc je vous avais dit que c'était des semaines très intenses. À la base, donc nous on a toujours été locataires, on avait pour projet d'acheter une maison, quelque chose qui soit un peu plus grand que ce qu'on a ici. Et puis il se fait qu'on a eu la possibilité d'acheter cet appartement, ce qui fait qu'on repousse l'achat d'une maison à 2 ou 3 ans. Cet appartement, on en est extrêmement content, il est de super bonne qualité. Il est très bien situé, voilà, il est vraiment parfait, cet appart, on n'a rien à dire. Et donc on s'est dit qu'on allait l'acheter, on a eu de la chance de l'acheter un petit peu moins cher que le prix du marché, de pas avoir à se battre, à soumettre un dossier, etc. Il était pour nous si on le voulait, donc voilà, même pas en 1 mois et demi, je pense, de bout en bout, ça a été clos, mais voilà, il y avait des derniers papiers à faire pour ça. Et puis j'ai décidé aussi de prendre des rendez-vous médicaux tant que j'y étais. Donc j'ai eu énormément de rendez-vous médicaux, pas grave, hein, mais des trucs, voilà, il faut le faire. Voilà pourquoi j'étais absente ces 2 dernières semaines. En plus, je vous avais dit que je n'avancerais pas dans ma décoration d'automne parce qu'il faisait 30 degrés, que j'avais pas envie. Et puis, comme d'habitude, des fois, ça me prend comme ça. J'ai besoin de tout changer. Donc, en fait, j'ai commencé, enfin, continué à décorer, malheureusement sans vous, alors que c'était super intéressant. Mais du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Mais il y a encore plein, plein de trucs à faire. Donc ça, c'est très cool aussi. Tout d'abord, il y a eu du changement au niveau de mon mur de cadre. Si vous vous souvenez, celui du centre là, c'était une illustration et j'ai fini par commander cette photo qui change des autres, mais qui reste dans les mêmes tonalités parce que ce que j'avais ne correspondait pas du tout aux alentours. Donc c'est vraiment trop trop chouette. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Ensuite, à ce niveau, il n'y a pas eu trop de changements. Pareil ici, mais ce qui a changé notamment, c'est cette étagère. Il faut savoir que c'est ma bibliothèque, voilà, de beaux livres, celle à laquelle je ne touche jamais, qui est plus une bibliothèque de déco dans laquelle on va retrouver des livres en relié, généralement mes classiques, vraiment mes belles éditions. Et je me suis dit que j'allais la faire en mode automnal et franchement je ne regrette pas, c'est vraiment une de mes meilleures décisions. Je trouve que ça change tout puisque voilà, je vais vous montrer un petit peu. Donc tout d'abord j'ai mis le vase ici et puis un petit panneau, ça y était déjà. Ensuite des livres que j'ai adorés. Ici j'ai laissé Emma, donc en fait j'ai
focalisée sur le fait d'avoir du jaune, de l'orange, du rouge, du blanc et du noir. Donc j'ai mis Emma ici, et puis cette citrouille qui vient de chez Casa et ce champignon qui vient de chez Action, et puis mes deux éditions d'Addy Larue. Là, j'ai mis quelques livres automnaux, donc celui-ci, il faut que je le bouge parce qu'en réalité, ça se passe en hiver. Mais voilà, j'ai mis Vampiria, L'essai de mort d'Evelyn Hardcastle. Voilà. Ici, j'ai fait une petite pile de dégradés avec la Harry Potter, Crescent City, puis les liaisons dangereuses. J'ai mis deux petites citrouilles, et puis là, j'ai mis le petit guide d'automne, ma broderie que j'adore, et puis une pumpkin. Là, j'ai mis mes éditions Tiber qui rentraient en termes de couleurs, quelques décos, donc ça vient de chez... Il y en a chez Action maintenant, ça aussi. Ça vient d'un magasin ici aux Pays-Bas. Là, c'est une affiche de carreau. Et puis ici, vous avez mes classiques en blanc. Et puis, juste en dessous, j'aime beaucoup. J'ai mis cette petite mallette avec plein de petites pumpkins et puis des pommes de pin. Et puis, trois livres qui rentrent très bien dans le mood automnal avec Mon automne cosy, Goûter d'automne et Madame Bovary. Et puis, cette magnifique affiche du train de Harry Potter, là, le pont en Écosse. Ça m'a pris quand même pas mal de temps à réaliser, puisqu'en fait, il y a pas mal aussi de livres qui ne rentraient pas en termes de couleurs. Donc, en réalité, vous ne le verrez peut-être pas, mais j'ai tout planqué derrière. Donc, ça a été un sacré challenge, mais voilà, j'ai réussi. Puis, de l'extérieur, on dirait pas du tout que j'ai fait ces petites modifs-là, tout est rentré, ou presque, donc je suis trop contente et j'adore. Et franchement, si vous pouvez faire ça, franchement, faites-le, parce qu'au final, oui, il y a de la déco, c'est vrai, mais le fait d'agencer les livres en fonction des couleurs, je trouve que ça change tout, vraiment. Et voilà, donc j'aime énormément ceci, mais ce n'est pas terminé, parce que j'ai acheté d'autres choses. Et j'ai notamment acheté des petites chauves-souris comme ça. Je les ai dans plusieurs tailles. Et en réalité, je vais les accrocher ici autour de mon miroir, juste au-dessus de ma télé. Ça va donner une ambiance spooky, juste génialissime. Et ça va être top. Là, il me reste encore à décorer le dessus, puis à ajouter une guirlande, par exemple. Et là, ouais, les chauves-souris, réorganiser un petit peu cette bibliothèque. Ah oui, je vous ai pas montré. J'ai également changé les poignées de ce meuble et j'adore. Je les ai achetées dans un magasin ici aux Pays-Bas. Je les ai payées 3 euros la poignée. Et je trouve que c'est génial, je trouve que ça ajoute un petit côté, enfin un petit détail vraiment vraiment sympa. Donc voilà pour ça. J'ai également reçu ma petite commande Peak Alps. Si vous ne connaissez pas, c'est un magasin en ligne où c'est un couple, je crois, qui réalise tout. Des gravures en fait sur bois comme ça. Ils sont assez connus, ça part très très vite parce qu'ils acceptent que 150 commandes à chaque fois qu'ils rouvrent leur e-shop. Et du coup, j'ai pu mettre la main là-dessus. Alors, c'est petit, hein. J'en ai eu pour 40 euros, je crois. 45 euros avec les frais de port. Mais j'adore la petite planche. Autumn is my favorite color. Si je mets par rapport à ma paume, ça fait une paume. Celui-ci est plus grand, par exemple. Il fait la taille de ma main. Citrouille et petit rond. Et une petite courge, I love fall most of all. J'aime énormément, je ne les ai pas encore vraiment affichées, mais j'ai trop trop hâte. Et chez TK Maxx, magasin dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai acheté cette bouteille à Will avec des champignons que j'ai payé 4,99 euros. Bon, j'ai filmé la décoration de mon fauteuil. Comme vous voyez, j'ai mis en place une petite scénette et petite astuce. J'en ai profité en fait pour rajouter un livre que je dois chroniquer, qui va bien avec le côté cosy. Donc voilà, une étape de faite, il en reste encore énormément. J'ai pas arrêté alors que j'ai l'impression de n'avoir rien fait. J'ai décoré le haut du meuble, donc j'ai mis une des planches Peak Alps. Un des trucs que je vous ai présenté que j'avais acheté chez TK Maxx, une citrouille pareille de chez TK Maxx et puis un champignon de chez Action et la photo de notre mariage. J'ai également installé, je sais pas si ça va se voir, mais j'ai mis une guirlande là autour. J'ai également changé les piles dans cette citrouille, également dans celle-ci que j'ai ajoutée.
J'ai rangé un petit peu ceci. Pareil, j'ai réorganisé ici, puis j'ai rajouté les piles dans cette guirlande qui n'en avait déjà plus. Et puis là, c'est pareil, j'ai entortillé une guirlande dans la guirlande pumpkin. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré les livres de ma fille pour que ce soit des livres d'automne. Et puis, j'ai préparé le petit fauteuil. Là, voilà, l'arrière des coulisses, c'est que tout le reste est là, puisque bien sûr, ma fille a des livres moches. Donc voilà, je ne vis pas dans une maison Pinterest, mais bon, j'aime bien faire en sorte que ce soit quand même joli pour les vidéos et les photos, forcément. Voilà, et donc là, il me reste à mettre les chauves-souris et puis je pourrais filmer pour Insta. Tada! Eh bien, j'aime beaucoup. Je trouve que ça rajoute un truc. Il en manque peut-être une juste ici, je pense. Il m'en reste pas mal en fait, donc je vais pouvoir en mettre dans la chambre également. Voilà ce que ça donne. Bon, je fais une petite pause goûter avant de m'attaquer à la cuisine. C'est vraiment la dernière chose que j'ai besoin de faire pour finir de filmer pour ma déco d'automne. Et puis voilà, les bibliothèques, etc. Je pourrais le faire plus tard, mais vraiment la cuisine, c'est un gros morceau. En tout cas, je m'en lasse pas du tout de ça. Je suis fan. Bon, voilà à quoi ressemble ma cuisine actuellement. Donc elle est nettoyée, mais c'est le bordel, il y a les biberons, etc. Donc forcément, je ne vais pas faire une photo avec ça. Donc je vais modifier la déco, les mugs, et puis je vais rajouter 2-3 trucs. J'ai très très hâte de faire cette cuisine, donc c'est parti. Et voilà, c'est terminé également pour la cuisine. Il y a pas mal de choses qui vont bouger après que j'ai fait les photos et les vidéos, mais tout ça, par exemple, ça va rester. J'ai sorti mes mugs d'automne et d'Halloween, mes petites décorations, j'aime beaucoup. Le seul souci, c'est qu'en fait, j'ai acheté pas mal de vaisselle et pas beaucoup de déco au final. Donc, ça fait un petit peu vide, mais je suis quand même très contente. Cette tête va clore les décorations d'Halloween et d'automne. J'espère que ça vous a plu de suivre ça avec moi. J'espère que ma petite déco vous plaît. N'hésitez pas à aller sur Instagram pour voir le reel que je posterai le 23 septembre concernant les changements et vraiment la déco en elle-même. Je vais arrêter le vlog ici. Je pense qu'il sera assez long pour cette semaine. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Ciao!